Bonjour, alors l'éblouissement la nuit, ça arrive souvent, c'est en voiture, hein, vous savez ce que c'est, on est ébloui soit par les phares des voitures, soit par les lampadaires, l'éclairage urbain et tout ce que l'on veut, et on va voir pourquoi. Alors, d'une, on n'a pas tous la même sensibilité à la lumière et à l'éblouissement, mais aussi, il peut y arriver, et c'est souvent le cas, que vous ayez besoin d'une légère correction visuelle de loin, qui n'est pas que vous ne portez pas. Et donc, le manque de cette correction peut vous provoquer un éblouissement, puisque vous avez moins de netteté, donc un halo lumineux se forme. Ça, c'est une des raisons. Alors, je vous invite, si c'est le cas, à venir faire un petit test au magasin, et on vous déterminera s'il y a réellement besoin de cette petite correction visuelle, ou alors vous allez chez l'ophtalmo, c'est encore mieux. Et l'autre raison, c'est qu'on a une certaine sensibilité accrue d'une personne à l'autre. Alors pour ça, il existe aussi, forcément comme je viens de dire, la correction visuelle. Mais si on n'a pas besoin de correction visuelle, on a aussi des lunettes à verre jaune. C'est une teinte qui est vraiment particulière, qui est exclusivement conçue pour la conduite. Hein, je vous les montre de plus près. Voilà, celles-ci sont sans correction, mais ça se fait en lunettes correctrices. C'est pas excessif, on le fait même dans nos offres deuxième paire. Si vous avez besoin de lunettes de vue. Donc pensez-y, parce que franchement, venez tester, ça vaut le coup. J'y pensais ce matin, parce que je suis arrivé de bonne heure et j'ai été moi-même ébloui, j'avais oublié mes lunettes. Ouais, c'est comme ça. Voilà. Et ben, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir.